Fouille. Le bandit n'ose même pas sortir. Le bandit lui-même, il sait aujourd'hui que oui, le propriétaire, il a volé. Que le propriétaire, c'est le prince Alpha Condé. L'alliance des leaders politiques, là, c'est le plus important. Des grands partis du Quator, ça, c'est le plus important. Donc, Kafoua Lignane, là, il m'a dit, Assiritole, bandit, gangster. Tant que ce bandit ne dégage pas, ce pays n'ira nulle part. Donc, vous qui êtes en train de tourner là, le Ousmane Kaba ou quoi là, collez-vous là-bas. Mais, faut faire écossais, al collabore, al dalabore, quoi si nita donita bonita. Al makuma fo, l'ermina, le retour du Fama, quand il y a le collabore, nous n'y a qu'au politique, comment? On y a le mak on est là, y'en est. On peut te dire. Tout ce que vous avez à dire, c'est le bon moment. Tout ce que vous avez à dire, c'est le bon moment. Voilà. Parce que le retour du Fama, allez Nafilou, allez Djaïrilou, allez Sissi, quoi, quoi. Altinana, la Nafia Folaya. Ça, c'est clair et net. Le combat maintenant, c'est de chasser le bandit, le narco qui est là, et les soldats patriotes. Il est temps. D'être du côté du peuple ou d'être du côté des narcos. Bébara Lonlaï m'a dit, Aden Nete, son pouvoir là est tendu actuellement. Lui-même, il sait, ça ne va pas aller. Il veut forcer la situation. Là, il m'a dit, même les jeunes là, ceux qui prennent le poids là, Poitala, ceux qui sont à Cancan là, tu te fatigues. Mbrafou, il y a un là. Naka dienye manka delta yake, ya ki koma. Atena Benali, Djamfanten, il dit, Ika Bel Sontro. Là, il m'a dit, Atena Benali, bro, tu veux encore faire venir des mercenaires. La Guinée, on a libéré la Guinée des Blancs. Ce n'est pas les petits légionnaires que vous envoyez là. Il faut envoyer plus de personnes. Isritoli, tu vas dégager. Voilà. Tu vas mal partir. Donc, on a tenu là, Famale, propriétaire de la maison. Hein? Il faut dire à l'armée française de venir. Mais il se ritole. Le propriétaire de la maison Kalakose. Moi, je vous avais dit ici, vous, les militaires, s'ils sont en train de vous malmener là, c'est de votre faute. Un bandit, un légionnaire vient, il fait le coup d'État et tous, vous vous ralliez à sa cause. Regardez aujourd'hui comment le petit, le bandit est en train de vous humilier. Un narco, vous saviez tous comment il est en train de vous malmener. Il fait un coup d'État. Vous êtes plus fort. L'armée guinéenne, c'était un petit groupe qui l'a manipulé. Les autres ne l'ont pas su. C'est quand ils sont arrivés en ville. Il a menti aux jeunes. Non, la présence est attaquée. Et tous ceux qui ont voulu se retourner contre eux, ils les ont abattus. Vous n'avez rien à voir, mais vous êtes restés peureux. Le bandit, le narco, est venu vous malmener aujourd'hui. Regardez la situation. Regardez le pays aujourd'hui. Ça pleure partout. Les Guinéens pleurent partout. Ben Kassila, bandit, narco, lakoukoso. Au lieu de dire non, on ne peut pas accepter ça. Hein? On ne peut pas accepter. Vous vous êtes tous ralliés à un bandit. Vos grades dépassent. Hein? Non. Allah surasiya keni monnaie. Hein? Toi, général, colonel, commandant d'unité, vous vous êtes tous ralliés. Voilà. Toi, je ne sais pas quoi là. Vous, les ethnos là. Attends. Mamadi, Mamadou Kosanou Sisso, c'est vous qui pensez que nous on rêve. C'est déjà là. Je vous ai dit, allez-y soutenir Doumbouya. Nous, c'est très simple. Allez-y. Parce que la haine là, ça va vous ronger le cœur. Va. Si jusqu'à présent là, tu n'as pas fait de sacrifice, jusqu'à présent là, ton cerveau là, tu n'as pas essayé de rebobiner encore, va t'arrêter là-bas, tu vas soutenir. Une espèce de gris comme ça là. Le propriétaire de maison arrive. Voilà. C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Ceux qui sont fâchés là, allez-y supporter de Mouyade. Allez-y supporter. Si vous avez d'autres solutions là, prenez. Si vous pouvez prendre le pouvoir autrement là, prenez. Mais ce qui reste clair,
Allah subhanahu wa ta'ala est avec le Fama, le bâtisseur. Allah subhanahu wa ta'ala est avec le Fama, le bâtisseur. Il est sorti indemne. Les gens ont cru que non, on l'a humilié. Non, on l'a grandi de plus. La vérité est en train de triompher. La vérité est en train de triompher. Là, il m'a dit aujourd'hui, il n'a confiance en personne dans l'armée. Personne. Là, il m'a dit, Ikakoko Kaisrito, le Sonidi, Bandi, Djamfante. Et tu es sorti ici, tu dis non, démocratie. Et non, c'est à cause du peuple. UFDG, UFR, FNDC, ils ont dansé pour toi ici. Où est ton peuple? Bandi, où est ton peuple? Son, où est ton peuple? Voleur, où est ton peuple? Narco, où est ton peuple? Il y a quel peuple pour toi? Tu as braqué le pouvoir du professeur Fakonde. Son, Bandi, l'armée, ils ont compris. Namori, n'eût été le traître, l'escroc, celui qui a dissuadé l'armée. Sinon, là, il m'a dit à son groupe, qu'est-ce que vous pouviez? Il a fait venir des mercenaires. Mais le traître aujourd'hui, il est où? Mais tu penses que si tu enlèves tout, c'est-à-dire les généraux, les colonels là, que le reste de l'armée, que Danka là, le Kokoka, ils supportaient? Les gens obéissent par peur, mais ils se ritolent, les banditiers. Ils se ritolent. Ceux qui veulent changer de pays là, préparez-vous en même temps. Hein? Ceux qui veulent changer de pays, vous pouvez changer de pays. Parce que le professeur Alpha Condé, il va super bien. Le propriétaire de la maison, il va super bien. Le bâtisseur cohérent, il va super bien. Oui. Et Kaleta, Soapeti, Almeria, la route nationale, toutes les préfectures de la Guinée, ça signe. C'est-à-dire marque de fabrique. 10 000 travailleurs que les bandits ont mis à la retraite, tout ceci a été payé. Mais ils sont là matin, midi, soir. Oh, corruption! Ils sont incapables d'employer. Oh, corruption! Et je vous apprends, le mois de décembre, il y a encore plus de 4 000. Je vous dis, pour que les bandits là puissent se recruter, il y a encore 4 000. 4 000 familles qui vont pleurer encore. Qui vont mettre à la retraite au mois de décembre. Un Yombuno, un vaurien comme ça. Et tu entends les Aboubacar Diallo soutenir qu'il est en train de faire du bon boulot. Un ministre qui n'emploie pas. Un département qui n'emploie pas. Et vous êtes là à saluer ce dernier. C'est en train de tuer l'économie. Pour que l'économie marche, il faudrait que le pays, qu'il y ait des activités, que les gens travaillent. Mais vous êtes là à soutenir un ministre qui est là seulement à supprimer des emplois. Ce sont des Guinéens. L'État, c'est nous tous. Mais ils sont là en train de supprimer. Mais autant du Fama, autant du professeur Fakonde, tous ces Guinéens-là, ces familles-là étaient heureux. Les bandits sont venus des tonneaux vides. Aucune espèce. Ils n'ont pas d'expérience. Donc, ne pas faire la ligne. Comment devrait être le bouton? Question de jour, le bouton. Car, sur la sifarma, lui a le bouton, car bandit lumina, car l'oubla djururo, car son lumina, car l'oubla djururo. L'armée républicaine, c'est de rester sur vos gardes, c'est fini. Personne ne va accompagner ce bandit. Et quelques groupes seulement. Un petit groupe vient, Kadjamanata Aloussaoui. Vous êtes resté assis. Là, il m'a dit, un vaurien, un bandit, un narco, un traître. À l'onita Borobi, à l'onita Borossini. Regardez le pays aujourd'hui. Fongé, fongé. Fouille. À part la démagogie, fouille. Rien ne marche. Tous les grands démagogues de la Guinée, les vagabonds des vagabonds en Europe, les vagabonds des vagabonds aux États-Unis, le rendez-vous en Guinée, Kossi NRD, allô Otomini, l'armée républicaine, allez, prenez vos distances. Ce qui veut dire que si on laisse le bandit là, et demain encore, un militaire qui est plus fort, il va venir encore faire un coup d'État. Le pays n'ira rien. De la manière qu'ils ont pillé plus de 1,5 milliard de dollars dans les réserves, ils n'arrivent pas à créer. Plutôt aujourd'hui, ils sont coincés. Ils n'ont plus de réserves. Ils sont obligés d'augmenter les taxes aujourd'hui pour pouvoir faire de l'argent. Et rien ne marche. Des bandits comme ça, là, qu'on va vous laisser là. Et m'a dit, Johnny n'est pressé ni. Et professeur Fakonde, c'est quelqu'un qui n'est pas pressé. Durant toute sa lutte, il est resté patient. Il est resté patient. On m'a pressé. Là, ça n'a compté qu'au Bélala. Et j'entends des malhonnêtes parler. Là, ça n'a compté ici.
Il a changé la constitution. Vous avez sorti vos queues ici. Alcan Colabon, il a changé. Ils étaient devant le professeur Fakonde ici. Pourquoi le professeur Fakonde? Eux, ils n'ont pas souhaité un coup d'État. Ils n'ont pas souhaité autre chose. Le professeur était là. Pourquoi vous n'avez pas parlé de coup d'État? Des malhonnêtes comme ça, là. Alma au Fouatide. Là, Ousmane Kaba, vous étiez là. Alka Mouké Mandigné. Alka Mouké Haute Guinée. Dabanou, Kamere Banou. Tu as un dossier de 330 milliards des étudiants fictifs. Alte Koumalade. Kouyatelou. Au Bekala, là, ça n'a compté rien. Alma Bokakouma. Albara Nina. Là, ça n'a compté rien. Kole Yakalou. Balon Milala Koka. Alkoumala. Nous fatara foraya watimina. A nous politiciens djene kalko la boka kouma. Mou kere mi kouma la. Kabla kasso la prosa alfa konde. A nous fisri l'homme balinou. Al te malo yala feu. Tchè kere mi kawka ole prosa alfa konde. Ou l'ou ma fo kono ko kou d'état. Lanza la konde ya. A nous kan la kombake. Restez patient. Ala na la kamasaya daluma. A nous fisri l'homme balinou. Yere l'homme balinou. A nous liye bika foko. A nous yibla kambre bami ko. Kambre bami. Donc allez al sitou et alata ala sen ne kokela de ala le sen kokela faut la imadi la coup d'état mené treke faut coup d'état mené treke jo molu tre professeur a placilo de quoi il est capable ja jamana duma teranye ja a tre voyage ni ko bekela sa jamana mi wanya fe pour que le pays avance. Mais vous les démagogues en bras près là à peine démagogie. Démagogie. Il y a d'autres là, eux ils ne deviennent pas ministres si ce n'est pas le coup d'État. Il y a d'autres qui ne deviennent pas ministres. Ni foiriate. Ni foiriate. Parce que, à l'occasion, s'il s'agit d'envoyer des diplômes, s'il s'agit d'envoyer des diplômes, oui, s'il s'agit d'envoyer des diplômes, ils savent qu'il y a des Guinéens qui sont plus calés que eux. Mais il faut passer par la faucheté. Là, il m'a dit à quel diplôme. Là, il m'a dit il a quelle relation. Là, il m'a dit à quel contact pour développer ce pays. Hein? Si ce n'est pas de la démagogie. Ce bandit-là peut apporter quoi à la Guinée? Amara peut apporter quoi à la Guinée? Bala peut apporter quoi à la Guinée? Kambere Baya, comment ne fait-il? Alors qu'on est allé le préparer. Abara Fralom na wong. 5 septembre, Kerenyamka. Abara Fralom na wong. Moi, je fais qu'Allah donne ta. Sortez en même temps. Hein? Sinon, de Breton. Le propriétaire de la maison, le faman, le bâtisseur. Voilà. Hein? Cela c'est nous. Al-Bébraye, lui. Al-Bébraye. Différence, il est commune. C'est pas les gros mots. Oh, dictateur! Oh, troisième mandat! Mais, conséquence directe, la vie des Guinéens. Les retombées sur la population guinéenne. Dia, le faman, il était fort. Dia, le faman, non, il était fort. L'économie guinéenne, on a connu Ebola. On a connu des manifestations, mais malgré tout, la croissance économique, les économistes demandaient-le. Le pays, le FAMA a tout fait. Aujourd'hui, oui, on comprend déjà le professeur Alpha Condé, c'était un génie. Ses relations, ce n'était pas zéro. De quoi il était capable? Bandit lui ou rire, matin, midi, soir. Des bandits à qui on a tout donné, sont nous, des narcos. Qui n'est ici qu'au troisième mandat, qu'au pauvreté. Vous, vous avez changé quoi? La vie des Guinéens, des voleurs. Vous, vous avez changé quoi? La vie des Guinéens. Vous avez amélioré quoi? Politiquement. Elle est où aujourd'hui? Sidya Touré est où aujourd'hui? Le domicile de Sidya Touré est où aujourd'hui? Domicile de Seloudale. Tellement qu'ils sont animés de haine. Tellement qu'ils sont animés de haine. Là, ça n'a compté. Les cases Bellevue, s'il était animé de haine comme vous, il allait casser les cases Bellevue, mettre des hôtels ou bien des grandes maisons. Mama Okede, Alou Nyango Barilou, vous êtes venu, vous avez donné dans la famille de Sékou Touré. Personne n'a parlé. Mais le domicile de Seloudale, tellement que vous êtes animé de haine, Alou Nalako Razeko École, Patewa École l'Alpha Bara. Des gens comme ça, là, vous pouvez gérer le pays, Nyango Barilou. Hein? Hein? Hop, Barry. C'est vous qui pensez comme ça. Si vous pensez que l'Aïmadi va organiser, si vous pensez autrement, comment vous allez chercher le pouvoir? Allez-y. Vous pensez que l'Aïmadi va organiser le pouvoir? Et jusqu'à présent, c'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que le bandit là, l'Aïmadi va laisser?
après avoir fait sortir Seloudalé. Humilier Seloudalé. Humilier Sidya Touré. Humilier tous les dadistes-là, tous ces leaders-là, tous ces généraux-là. Humilier, comme on appelle le RPG. Vous pensez que Laï Madi va organiser? Et la CRIEF, ils sont entrés. Continuez à rêver. Bon, moi en tout cas, je vous préviens en même temps. Le retour du FAMA, vous pouvez dire que c'est du rêve. Mais si ça arrive là, ne soyez pas surpris. Voilà, c'est de vous, ranger directement. C'est tout. Voilà, c'est de vous ranger. Hein? C'est ce que moi j'ai à vous dire. Je ne vais pas vous insulter, rien. Mais si vous pensez autrement, vous pouvez retirer le pouvoir de l'AIMA de continuer. Et si vous pensez que ce bandit-là, il va laisser le pouvoir là, continuez à rêver. Lui, il a fait son coup d'état, c'est un instinct de survie. Vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Continuez à faire, c'est-à-dire, fermez vos cerveaux là. N'ouvrez pas, hein. Vous avez oublié qu'au troisième mandat, là, il m'a dit, il allait mater les gens à Kindia. Vous avez oublié? Vous avez oublié ça? Les jeunes forestiers au Kal Fayaya, vous avez oublié? Fermez, bouchez vos cerveaux là. Dites que non, non, non. Et il va organiser des élections. Rêvez, vous ne connaissez pas, là, il m'a dit. Lui, il est en train de construire aujourd'hui. Ça dit, jusqu'à présent, il y a des gens, ils sont bornés, quoi. Tellement qu'ils sont animés. Moi, vous m'avez vu. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est opposé à l'UFDG que moi, Damaro. Mais, depuis le 5 septembre, je me suis assis et réfléchi. Je ne vais pas gaspiller mes salives pour rien contre l'UFDG. Rien du tout. Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'État. Et je sais pourquoi, là, il m'a dit, à faire le coup d'État. Quand tu ne sais pas le pourquoi de quelque chose, eh bien, tu es con. C'est-à-dire, tu ne sais pas quoi faire. Donc, vous aussi, la rêvez qu'il faut organiser des élections. Transition, normalement, c'est 12 mois. Vous avez entendu, là, il m'a dit parler de transition. Asseyez-vous. Et même quand il aura la pression, là, il va mettre quelqu'un de son camp. C'est ce que vous n'avez pas compris. Le bandit vient économiquement, tout le monde en train de pleurer. Celui qui était là, le FAMA. Économiquement, le pays était comment? Économiquement, le pays était comment? Allez-y demander les militaires. Ils ne vont pas parler, mais demandez les militaires aujourd'hui. Ils sont tous déçus aujourd'hui. Là, il m'a dit, les jeunes malinqués et soussous aujourd'hui, il est en train de finir avec eux dans l'armée. Tous ses proches aujourd'hui, les Kouyaté, celui dont vous avez vu au cimetière de Bambeto, en train de lire le Coran, les Diané, Souma, Karim Souma, les Danté, là, tous ces jeunes, il est en train de finir avec eux. Jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous pensez que le bandit est prêt? Je vous ai dit, il y a 30 éléments. Ses anciens amis là, de la Légion française, ils arrivent à Conakry encore. Il n'a plus confiance à son entourage. Les jeunes forestiers qui étaient autour de lui, il n'a plus confiance. Les choses deviennent autrement. Procès du 28 septembre. Il se dit, non, les jeunes forestiers peuvent venger leurs parents de la forêt. Donc, il n'a plus confiance aujourd'hui, même aux jeunes forestiers. Demandez les jeunes forestiers qui sont autour de Laïmadi. Il est en train de les écarter tous. Vous savez, il y a combien de jeunes qui sont prisonniers dans les sous-sols du palais Mohamed V? Où se trouvent les lions Bangoura? Ils sont tous prisonniers là-bas. Asseyez-vous là en train de rêver. Vous ne connaissez pas ce bandit-là. Il sait ce qu'il attend. Même s'il organise des élections, il sait ce qu'il attend. La seule solution, c'est le FAMA, le bâtisseur, le propriétaire de la maison. Ils ont forcé. Le FAMA savait que non. Il n'a pas voulu. C'est-à-dire, ils ont mis la pression, il n'a pas démissionné. Ils ont tout fait, il n'a pas démissionné. Et il a dit, lorsque Moriba était devant lui, moi c'est mon peuple. C'est mon peuple. Entre là, il m'a dit, le professeur Fakonde, qui est légal? Qui est légal? Un bandit qui vient éliminer des gens, où se trouvent les corps? Depuis le 5 septembre, qui a vu les corps? Les familles, personne n'ose parler. Personne. Avec ça, vous allez nous dire quoi? Moi, je vous ai dit, hein, ceux qui veulent se ranger, là, derrière là, il m'a dit, rangez-vous. Mais alors, ces jours sont comptés. Parce que les bandits à Ouattole, Sonny, c'est un narco, c'est un bandit de grand chemin. À la tête de la Guinée, c'est un retard encore pour le pays. Un retard pour le pays. Et quelqu'un qui te donne tout, qui t'a, qui nettoie. Vous voyez, le bandit ne sort plus. Pourquoi il ne va pas prier à Bambeto? Vous voyez que le bandit aujourd'hui, il a peur. On vous a dit pourquoi il allait en Sierra Leone. L'ex
Garde ton corps de l'ancien Conte. Si c'est dans ton désert qu'il a fui, là. Jusqu'à présent, il ne dort pas. Partout, il sent le danger. Partout, il a peur. C'est pourquoi il a pris Ali à même aller le mettre dans le sous-sol du palais là-bas. C'est-à-dire à Guéguédo, il le dérange. À la maison centrale, il le dérange. Vous pensez que là, il m'a dit, c'est un homme. Il n'y a pas plus peureux que là, il m'a dit. Il n'y a pas plus peureux que là, il m'a dit. Un bandit de grand chemin. Donc, Molo, Kadola doit ou coca, à la matière de maintenant. Nous, on ne fait pas de sacrifice satanique. Si c'est eux qui sont sur la vérité, que Dieu les élève. Mais si c'était le Fama qui est sur la vérité, qui était sur la vérité, pour le bien du pays, qu'Allah élève encore, qu'Allah lui redonne son pouvoir. Déjà, moi je vous ai dit, nous militaire, la force pour l'aligner au corps. Faut bandiquer, Fabra Lala Juru Lomina. Faut bandiquer Brasil la Lomina. Elle n'a qu'à Djamana Kono Delu. Ka bena sika ki kafa sura siluma sura sibrebre luma alo ile nyonte albrana ka jamana nasika jamana rochia jamana kona deluma be kasila bi les parents be kasila hein oui il est l'ami américain le procès est légal nous on a voté là il m'a dit la personne n'a voté pour lui le procès Fakonde là il y a des guinéens même si d'autres disent là ils contestent là nous on a voté là il m'a dit qui a voté bandina yere. Un vaurien qui était derrière Bakala, en Hollande. Un simple garde de Bakala. Il rentre en France. Moutraï, Djafo. Il est rentré en Guinée. Kataka, nettoyé. Il n'est pas allé dans l'école d'officier de Amara. Qui a nommé Amara? Kako Bekanye. Kataka, la force spéciale qu'on a. Djamfante Suyami. Lui, il est légal où? Un bandit, un traître de grand chemin comme ça. Ou bien quand il était dans la Légion, c'est là qu'il est venu faire son coup d'état. Si vous voyez que ça a été facile, parce qu'il en est à mort. Djamfa Minadani, il s'est encore. Djamfa Tessouyami. Aldafa Kono, Kodanka Lanou, Koko Kake ou fait. Un bandit comme ça. Et moi, lui, bi Mouna Kankan. Mouna Kankan, Ayoko Bela, comment lui, qu'a fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et comme Minadani Benya Koro, il est. Ni procès tout manque. C'est-à-dire, ni manque à deux tout terre au refrain. Et Aldafa, Abra Pouvata, Abra Difa Karsama, Abra Keta. Là, ça raconte à faire 24 ans. 24 ans. 24 ans. Moi, c'est mal à Maloya. Et, ni Djama Kabo, ben, il t'a le con. Et, yéden ko kaboro, ka fembe dama, ka fanka dama, ka la dianye, ka tofo Djama Nyakoro. O mouye na kana mana mana ke ko danka le moto luko, ko kibla le ko. Là, il m'a dit kamouke, la Guinée sera si lounye. Procès nani, refondation de l'armée. Djuma Yama ke sera si lounye. Alou Saraba, à la prime, finchèrement qu'à Kalounien, qu'à usine l'eau, à la tenue, qu'à au bec Kalounien. Les gens font des nakanakoukés, à des mouquets qui ont procès à Kam. À des mouquets la Guinée, procès à Maminké. Al bras ou la nafia là, parce que vous mangez avec ces gens-là. Toi, Ibrahim Kamara, s'il n'y a pas votre président Alpha Condé. Non, et il faut nous dire, le bandit qui est venu, il faut lui dire oui, ce qu'il a fait. Et c'est pas moi, c'est l'armée qui demande. Parce que moi seul, j'ai pas de force. Voilà. C'est l'armée qui demande le retour du Fama. Ce n'est pas moi, Damaro. Parce qu'ils ont compris. D'abord, c'est un arrogant, c'est un vaurien, c'est une honte que là, il m'a dit, soit à la tête de l'armée guinéenne. C'est une honte. Une honte. Il n'est pas l'émanation du peuple. Le professeur l'a dit, s'il avait vu son CV, ceux qui ont manipulé tout ça. Là. Voilà. Allô, mon foulou. Alda et Benya Koraya. Oui. Et toi qui dis que moi je ne bois pas. Ça, il faut dire ça à ton laï m'a dit. Omi allé moumina. Bientôt dans les vidéos là-bas. Aïe moussa manayoro mina. Allah laï m'a dit. Aïe rete malouya la kafo moussouya ma komi dike la Guinée Massaï. Hein? Alte Maloyala, allez à Magnimika. Aïe mita la pané konoye. Demandez les gardes la minute à crefe. Aïe fe moumi samanao. Alda foma kouye, kwan la massa. Allez à Nyama Fene. Regardez son visage aujourd'hui. La honte du siècle. Ko le Guinéen, ko vasi, ko anna massa, ko ora mengenan neki. Bandi, ama ya kolonto. La Guinée ke birina wafe. Orgueil, yamfante. Tangafa falamouta be troisième mandat.
Tous ceux qui parlent là, ils n'ont qu'à parler. Là, ça raconte à faire 24 ans ici. Qui a sorti sa queue ici pour parler? Qui a fait la prison ici? Politiquement. C'est le professeur Alpha Condé. Vous avez quoi à dire? Oh, mais c'est Fala Mamou Tambe. Ndessa Guelibé, parmi tous les politiciens, c'était le professeur Alpha Condé. Vous allez venir dire quoi? Arabila Nana. Quand l'État soit petit, Almaria. La route nationale. Mourad Tabiri. Toutes les villes de la Guinée. Vous allez venir ici pour vomir quoi? Montrez-moi la famille, un des membres de la famille du professeur Alpha Condé, qui a des biens. Là, il m'a dit, son clan, ils sont en train de voler, construire à Conakry. Ils sont en train de construire, matin, midi, soir. Altada la kalaka kuma orode. Ni escroya kuma l'alseni olela. Ni escroya kuma l'alseni olela. Allez voir sur la Silmani Ninkake. Dans les conditions minobi. Troya yere bantole alula. Il est en train de manipuler l'armée. Il est en train de mettre les gens en prison. Vous savez combien de jeunes qui sont en prison? Al Kalombi, Nkolanka Mankadelu, Amojuri Kasolabi, Adante Mwala, tous ceux qui sont puissants aujourd'hui, Ayaka Kabem Nakabla Kasola, sont Basuya Miyete. Moi, il bot Troya Rokako Bekinye. Aujourd'hui, c'est lui. Maléa est Djene Koka. Maléa est le professeur Kokandi. Bah, professeur Lamolu, Hansini, Aluako. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit au Quator, ceux qui pensent que non, on s'associe avec le RPG, nous serons les perdants. Vous n'avez rien compris politiquement. Si là, il m'a dit, il veut de la popularité, là, il veut des militants, là, c'est les militants du RPG, dans les fièvres du RPG. Parce qu'il sait que les militants de l'UFDG ne vont jamais l'aimer. Ça, c'est clair et net. Ça, je vous ai déjà dit. Si là, il m'a dit, veut quelque chose. Regardez, il fait le recrutement. Le jeune qui a son coin de gym à Cancan. Il est en train de recruter plus de 800 jeunes aujourd'hui. C'est pour former ces gens-là comme ces gardes rapprochés. Vous n'avez rien compris du projet de Laïmadi jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le Quator, il y a certains jusqu'à présent. Billahi Laïmadi, si vous comptez sur les élections, si Laïmadi organise des élections, il ne met pas quelqu'un de son clan. Je vous donne ma tête à couper. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous ne connaissez pas le bandit. Là, il m'a dit, il est là pour sauver sa tête. Il n'est pas là pour autre chose. Quand il va finir de garnir son compte bancaire de ses enfants, de ses femmes, signer le deal pour aller en France, là, mettre quelqu'un de son clan, là, c'est là que vous allez dire, ah, on a perdu tout notre temps. Déjà, on devait vraiment aller directement à l'offensive pour le faire partir. Mais continuez à rêver. Hein. Continuez à rêver. Alma Bandikem Nodé. Vous ne vous êtes pas posé la question. Quelqu'un qui est venu, le gouvernement là, il se pliait devant le gouvernement de professeur Alpha Condé. Qu'est-ce qui lui a poussé à faire son coup d'état? Jusqu'à présent, ne vous posez pas cette question. Bandi Salte Suya Miena Kolouke, il a même un cadet de la co, quand il est supporté. Hein? Ni Dankadiate. Hein? Manka Oromarado Yabi. Ni Dankadiate. Ni dans Kadeyate. L'ancien côté de la Benyakroya. Manka Wartilu, côté à Makan Laya. L'ancien a couillaté ni féminicité. Adoma Kuma Lonkere. Bile Barassé. Albaranina. Bandi et Nakakoumi, qui est professeur là. Alou Fissil Lom Balilou. Alou Dibokal Yokuma. Ministre de la Défense, Manika. Natumake, Kuno Kamake. Sécurité. Nkolanka, Namake, Kamake. Là, il m'a dit, il est très rom, Namake, Kamake. Et, Obeyeke, Fanako, Kwaye Mouke, Boutou. Koprosé, très Mouke, Aligné. Kwa, très Mouke, Aligné. Alte, Rankrisoro. Alte, Fils, Lombalia, Dabla. Alte, Lokal, Sato, Le Fana. Fils, Lombalia, Nakakoke, Ko, Moedo, Fils, Lombalia, Koro. Là, il m'a dit, fils de l'homme palilé. S'il avait été élu par le peuple, entre comment? Allô? Ça va. Ça va, l'âme de l'air.
Ah, ni direct là, t'es bravo dans le. Non, ça va, moi, t'as maintenant. N'est pas dans le. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on ne dit rien d'autre. Le Fama, le retour, Bédola Douaou Koka. Tiens, Wati Barana, Bédola Douaou Koka. Voilà. Bédola Douaou Koka. Moi, tout ce que je prie aujourd'hui, c'est de voir Ella Selou Dalé, Sidia Touré, avec le Fama, tous nos leaders-là, s'entendent pour le bien de ce pays-là. C'est le plus important. Mais ces bandits doivent partir. Ces bandits-là doivent partir. Voilà. Si ces leaders-là se retrouvent, s'entendent mieux, c'est ce qui est bien pour le pays. Et c'est Selou Dalé, économiste. Sidia, je crois, économiste aussi. Tous ces gens-là, aujourd'hui, on les piétine. Le docteur Kassori. Un bandit vient s'asseoir, des tonneaux vides. C'est eux qui vont arranger ce pays-là. Les grands partis, UFDG, on connaît les militants. Sidia, son poids, le RPG. Un bandit vient que non, que tous ces gens-là, on les met de côté. C'est les Faya Minimono. Aidez-nous à faire partie de ces gens-là. Donc, nous, tout ce qu'on veut, c'est l'unité-là. Et la solution qui est là aujourd'hui, c'est ça. Fama. Parce qu'elle m'a démissionné. Elle m'a démissionné. Voilà. Donc, Ndalbla, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir soutenu Mrao le fort. Ceux qui pensent que quand nous, on est en train de rêver, qui aurait pensé que là, il m'a dit, ils sont à Tétimbi. Moi, mon cas, il faut que nous, Bébara et Katoebi. Armée, c'est comme ça. La population, c'est comme ça. 95% de la population, elle t'a fait bien. Qu'on aura offert. D'autres, ils le font par jalousie. Mmh. Oui, on a combattu le professeur Alpha Condé. Ah, bon, là, Doumbouya, ça aussi, on ne comprend rien. On préfère le professeur Alpha Condé. Hey, au bonheur, soignez vos cœurs. Soignez vos cœurs. On va pour le bien du pays. À la baie. Ça ne sera pas une maladie. Si contentez le tous ces gens-là, ils vont venir. C'est le plus important. En tout cas, soignez vos cœurs. Hein? Vive le Fama. Vive le Quator.